Salut à tous, c'est Arthur Bérandi et bienvenue dans Resell, l'émission qui présente les sorties de la semaine et leur pré-resell. Avant de commencer, n'oubliez pas que les sorties ne sont jamais sûres à 100%. Certaines peuvent être repoussées, annulées et les prix peuvent varier au moment où je tourne cette vidéo. Et si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien louper. Allez, c'est parti! On commence avec la New Balance 550 Burgundy Sior. Et non, ce n'est pas un restock, mais on vous donne une deuxième chance de la COP. La 550, c'est l'un des modèles qui a totalement relancé New Balance en 2021, notamment grâce à la collaboration avec Aimé Leandor. Avec son bordeaux et ses nuances de bleu, ce coloris est assez apprécié et devrait bénéficier d'une forte demande pour cette deuxième chance. Attention, ce sera quand même dur, car il n'y a qu'une raffle. Elle sortira le mardi 15 mars, au prix retail de 120€, en raffle sur bstn.com. On continue avec la Air Jordan 4 Zen Master. Cette paire rend hommage à Phil Jackson, le légendaire coach de Michael Jordan chez les Bulls. Avec son look tie and dye, elle s'inspire de la méditation, du bouddhisme et autres traditions spirituelles qui sont très utilisées dans le coaching des grandes équipes. Bon, je vais être sincère avec vous, je trouve ce coloris affreux. Mais c'est subjectif évidemment, car elle dispose déjà d'une très bonne cote. Mais bon, la cote ne fait pas tout. Elle sortira le mercredi 16 mars au prix retail de 190€ sur SNKRS. On continue avec la Nike SB Dunk Low Chlorophylle. Quoi? Elle n'était pas encore sortie? C'est fou, on en avait parlé fin 2021. Bref, la voici enfin. Avec ses tons de gris, de noir et de vert, cette paire est très intéressante. C'est une SB Dunk, donc de base, elle cote déjà. Mais en plus, c'est une pro, ce qui veut dire qu'elle est 100% destinée à la pratique du skateboard. Donc messieurs les skateboarders, à vos applis, cette paire est pour vous. Elle sortira le jeudi 17 mars au prix retail de 100€ sur SNKRS. On poursuit avec la Yeezy Boost 350 V2 Dazing Blue. Et enfin, elle sort en Europe officiellement. On en avait déjà parlé il y a 3 semaines pour sa sortie US, et je vous ai fait part du bonheur que procure cette paire aux anciens porteurs de Yeezy des années 2010. Prenons exemple sur des modèles comme le pack Black Friday ou Oreo, cette paire est une pure merveille. Pour ma part, je vais tout faire pour la COP. Elle sortira le jeudi 17 mars au prix retail de 220€ sur Adidas Confirmed. On continue avec la Concept X Air Max 1 Camo. Et oui, encore le début d'une série de Air Max 1 hype. C'est le Air Max Month en ce moment, et ce modèle est définitivement l'un des plus attendus. Faisant partie d'une grande collaboration appelée Message à l'Univers, entre le shop de Boston, Concept et Nike, cette Air Max One haute en couleur devrait en ravir plus d'un. Attention, ce sera une série très limitée, donc très dure à cop. Celle-ci en tout cas sortira le samedi 19 mars, au prix retail de 160€ sur SNKRS. Enfin, la Air Jordan 1 Low Women's Psychic Purple. Le violet, comme avec la Dunk Court Purple, est un coloris extrêmement populaire pour ce genre de modèle. Pas grand chose à dire, mais beaucoup de ces dames vont se jeter dessus. Soyez-en sûrs. Donc ne loupez pas l'occasion de la COP si elle vous plaît. Elle sortira le dimanche 20 mars au prix retail de 100€ sur le site Nike. Allez, assez parlé de sortie, sort ton portefeuille, c'est l'heure des prix resell du lab. Tout d'abord, la New Balance 550 Burgundy Sian, qui sortira au prix retail de 120€ et se revendra aux alentours de 150€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Puis la Air Jordan 4 Zen Master, qui sortira au prix retail de 190€ et se revendra aux alentours de 240€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 46. Ensuite, la Nike SB Dunk Low Chlorophylle, qui sortira au prix retail de 100€ et se revendra aux alentours de 150€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 46. Puis la Yeezy Boost 350 V2 Dazing Blue, qui sortira au prix retail de 220€ et se revendra aux alentours de 250€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Ensuite, la Concept Air Max 1 Camo, qui sortira au prix retail de 160€ et se revendra aux alentours de 280€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 46. Enfin, la Air Jordan 1 Low Women's Psychic Purple, qui sortira au prix retail de 120€ et se revendra aux alentours de 150€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5. Voilà, c'est tout pour cette semaine, merci au Lab pour ces infos. Encore une fois, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo si vous appréciez notre contenu. Et moi, je vous dis bon courage pour COP, à la semaine prochaine.